Salut les filles, salut les garçons, salut les intros de carrément. Parce qu'aujourd'hui, je sais pas pourquoi c'est l'intro, je regarde mes rêves et tout, je me dis, mais pourquoi j'ai fait mon intro? Putain, je vlog, mais je sais même pas si les. Je vlog, mais je sais même pas si ces vlogs vont être en ligne. Ouais. Ah là là. Bon, faut que je me prépare et en même temps, on va un peu parler. Oula. Faut que je me maquille. Ce produit, Pixi me l'a renvoyé, ben ce produit, je vous répète, on dirait que parfois vous ne m'écoutez pas, les mists de chez, c'est mist hein, les mists de chez Pixi et Yepodame, Pixi, j'ai fini le bleu, là ils m'ont renvoyé le vert, celui-là c'est que la vitamine, il y a quand même écrit Wake Up Mist, donc ça, le matin, voilà, et à la vitamine C, c'est pour que ton teint soit plus éclatant, mes yeux, ça me pique. Faut que je... normalement vous verrez ce vlog dimanche prochain, tout est en décalé, je voulais poster ce dimanche là mais je peux pas, là vraiment, j'allais faire une pause des réseaux, de quitter les réseaux pendant genre un mois et tout, mais je peux pas, donc juste je supporte et du 1er au 20 mai, je pense pas que vous allez me voir, en tout cas là, je fais tout pour bien faire les choses. Il y a aussi l'organisation de mon girl tube aussi qui fait que je peux absolument pas arrêter parce que les gars je crois qu'on est à plus de 1000 demandes, c'est une dinguerie, je sais pas comment on va gérer ça, heureusement en tout cas que je suis bien entourée, que j'ai des gens qui m'aident, mais c'est insane, genre vraiment je m'attendais pas à autant, donc je peux pas me dire bah vas-y je fais une pause alors que je viens de lancer un projet et pas un petit projet, donc je peux pas me permettre de laisser ou de tout déléguer à quelqu'un, même si j'ai confiance à mes amis, mais je peux pas tout déléguer comme ça en fait. Tout déléguer comme ça, c'est pas possible. Donc c'est moi qui gère tout. Pour l'instant, on n'a pas encore regardé les candidatures. On a survolé vite fait. Franchement, vous êtes des bêtes de go. La vérité, pff, vous êtes vraiment des bêtes de go. Le peu de personnes que j'ai vues qui se sont inscrites, des bêtes de go. Des becs de go, des vraies nanas, des vraies chéries en fait. Ça me fait plaisir. Vraiment, ça me fait super plaisir. Là, je vais me maquiller. Je vais vraiment faire un truc super simple, très vite. Parce que déjà, j'ai la flemme. Comme je vous ai dit, là, les réseaux. Les réseaux. Voilà quoi. C'est pas... J'ai juste envie de faire une pause et de partir. Et j'ai vraiment envie de partir en vacances, mais... raisonnable. Là, je vais aller en week-end à Milan. Première fois que je vais aller en Italie. J'ai un peu peur parce que, bon, on connaît l'Italie et sa réputation d'être raciste. Donc, j'ai peur. Après, je vois beaucoup de London girls partir là-bas et tout se passe bien. Donc, on verra, mais... Mais ouais. Moi, je m'étais juré de jamais mettre les pieds en Italie, mais... Mais voilà qui part. Bon, ça après, c'est qu'un week-end, c'est rapide. Mais j'ai hâte de voir si y a vraiment des regards, si c'est vraiment raciste. On verra, dans tous les cas, je vais vlogger. Et vous saurez tout. Bon, je vais arrêter de parler. Je vais me maquiller rapide. So many tears after all these years. See my days are cold without you. My days, yeah. And my heart can't take no more. I keep on running back to you.
Je suis prête, j'ai mis un body comme ça de chez Shein. La qualité elle est vraiment top. Je pense que je vais aller prendre en d'autres couleurs. De base moi j'aime pas les combiens. J'aime pas, mais là franchement comme ça mouille bien et tout, enfin ça snatch bien la waist, j'aime beaucoup. Petit manteau Ali aussi. À chaque fois que je vous en parle, c'est le dupe de chez Zara là. Chez Zara, il doit coûter quoi, 60 euros, je crois. Je crois que j'ai eu à 40 ou 30 euros. Mais après, ça va faire déjà un an. Et mon petit sac diesel. Petite paire de baskets. And that's all. Par contre, je ne retrouve pas ma montre. Il y a ce muscle là que j'avais acheté à Dubaï. Incroyable. Je sais pas pourquoi j'ai mis du temps à le mettre. Je crois que je l'ai testé la semaine dernière. Ils sont... Je crois que je vais repartir à Dubaï juste pour acheter des parfums. Ils sont tellement bons. Dingue. Dingue. Bref. J'appuie toujours du gloss. On n'en a jamais assez. Bref. On va rejoindre Jamila. Et voilà, faut que je change mes batteries. Drop the roof and let the smoke clear. I got diamonds, two inches, these slides in both ears. Dice falling on the Las Vegas strip tonight. Bon, les gars, j'ai retrouvé Jamila. On est dans le champ pelleté dans une nuit, genre. Pardon. Wesh. Il allait me foncer dessus. J'ai pas fait attention, sorry. J'aime bien ton outfit. T'aimes bien? Ouais. Ça donne, hein. Même ici avec le rouge comme ça, là, ça donne bien. C'est rendez-vous. Bonjour. Moi? Ouais, j'aime beaucoup. C'est très beau, ouais, j'aime beaucoup. Ouais. Des belles pièces, hein. Franchement. Tu veux des photos aussi? 2, 3, voilà. Ta petite session de shopping. C'était cool. Ouais. Franchement, j'ai trouvé plus d'articles que la dernière fois. Ça, c'est cool. Puis j'ai hâte de faire le mot. Tu vois, je vais mettre ça en Italie en fait. Tout ça là? Je pense. Dalle. Oui? Nous partons! Je pense que c'est très mimi. Hein. C'est trop joli. Hein. Vraiment. Attends, je vais essayer de faire des plans. On a fini en showroom PLT, c'était cool. J'ai reçu. Enfin, j'ai pu choisir les articles, c'est cool aussi. On aurait dû faire une vidéo où tu sors pour que tu... Oh, c'est pas grave. Là, on essaie de chercher un petit spot pour taking some. Viens, on va là-bas. À la place. Non, la place, elle est de l'autre côté. Mais Jamila, elle est un peu malade. Elle est trop belle. C'est une. Quoi? Alfa Romeo. Ah, ok. Lamborghini. Ah, ok. Il y a du vent, hein. Oula. Tu as payé mes médicaments, sache-le. C'est pas remboursé par la mutuelle? Il y a
pas de sécurité sociale ici. Ah, y'a pas! On est chez Stradivarius. Elle est venue chercher une tenue pour Jamila parce que devant vos restos. Elle est sur un truc, t'aimes bien, t'aimes pas? Comme ça, au revoir. Attends, j'arrive. Vas-y. Ok. J'aime bien. Le haut est trop sauté. Mais ouais, il faudrait que ce soit plus oversize, je pense. C'est la plus grande taille là? C'est la seule qu'on taille qui a. Mais le pantalon, il est bien, en vrai, mais il est vraiment léger. Hein. C'est ça, c'est bon. Tout en vrai. Mais par contre, le rouge comme ça, ça donne. Hein. J'aime bien, en vrai. Très dommage. Moi, j'ai des longs. En vrai, de vrai, j'aime bien. Hein. On fait quoi là? Où je vais voir le haut. Après, si tu plies. Ouais, c'est ça. Sinon, je peux aller au coin pour regarder. Hein. Tu vas prendre les deux, ma chérie. C'est vrai, ça. Je suis navrée. Mais... Le gros mozzarella. Pour toi, mais... C'est mon anniversaire encore, Chris. Mais filme pas, tu me mets sur YouTube, c'est vrai, parce que. Anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, Christian! Joyeux anniversaire! Pourquoi? T'as pas besoin. Ma tête? Sois comme tu es, c'est bien. C'est tes 22 ans. Ça se fait naturellement. Pas comme ça quand même! Là, tiens ma perruque! L'objectif est la réalité dans moi. Pas l'objectif est la réalité dans moi. Sur Snapchat ce soir. Arrête. Oh, bon, hey, commence déjà à me airdrop tout là. Arrêtez, non, commencez pas, on a arrêté ça. Moi j'en veux pas. C'est juste un symbole. J'ai trop de sucre dans le corps là. Allez, on y va, on va claquer. Happy Success, joyeux anniversaire. D'avoir un peu long. Là. Ouais. C'est trop délaissé.
je vous ai délaissé. On est quelques heures après le résultat du carré. J'avais tellement peur de faire un carré parce que vous connaissez moi, c'est madame 28 pouces, 30 pouces, 26 pouces. Mais là, je me suis dit, vas-y, Méré, change. Et vous m'avez aussi beaucoup chèb. Donc là, il est actuellement, il va être 21h dans quelques minutes. J'ai rendez-vous avec Bafo des restaurants. Oui! Pourquoi tu peux dire que je suis avec un mec à la fin avec toi? Elle ne vient pas quand je serai seule. Salut tout le monde. Je sais même pas, je vous ai laissé quand? Je crois que je vous ai laissé quand je suis sortie avec Bafodé. Faut que je parle et que je me. Et que je me prépare. Ouais, je crois que je vous ai laissé quand j'étais au resto avec Bafodé. Posez là. Entre temps, il y avait l'anniversaire de Ketia. Bref, il y a plein de choses que j'ai pas vlogué. Franchement, je commence à être une vlogueuse bancale. Hein. Je commence à pas tout vloguer. Mais aujourd'hui, je vlog tout. Ok? Everything. Là, il est. Quelle heure là? Il est 14h38. Je vais aller faire les courses parce qu'aujourd'hui on a une soirée pyjama avec Ariane. Elle a invité toutes ses copines, ses soeurs. On a tous la même pyjama et tout et tout. Et du coup voilà, petite soirée jeu, soirée pyjama entre filles ce soir. Ma tête. Je voulais enlever mes lentilles, mettre mes lentilles, mais je peux pas, j'ai pas le temps. Voilà. Marron et vert, ça match pas trop, mais c'est ok. Je sors, j'ai envie de mettre ma blue. Arrivée de score tête d'ours. Allô? Allô? Je sors là. Dis bonjour. Tantôt, il shine, on dirait, c'est vrai, toi, t'es heureuse, hein? Je suis heureuse, ça va, apparemment. Oh, je suis partie chez elle m'a récupérée. Là, on va aller prendre Kako. Et Tamidia nous rejoint, on va au champ. Je vais lui faire un autre truc. Tu vois, comparé à Action, c'est moins cher. Pour ça, on va aller à Action, tu crois qu'on est riche ici? J'ai acheté les gobelets rouges, là. Ah ouais, les gobelets rouges. Rouge et bleu. Toi, tu vas faire comment pour ton pyjama? Ah ouais, non, mais attendez. Non, mais attendez. Tu as voulu pour non, attendez. Elle nous fait acheter des pyjamas. Elle nous met la pression pour acheter des pyjamas. C'est sa soirée, elle nous met la pression pour acheter des pyjamas. Dites-vous que j'ai commandé mon pyjama dimanche dernier. J'ai commandé ça en livraison express sur Shein. Par la grâce de Dieu, c'est arrivé aujourd'hui. Et madame n'a même pas... On va aller voir dans les magasins chinois. J'ai pas l'argent, mais je peux pas me permettre. Et tu vas mettre quoi? Là, il me reste... Je vais mettre mes pyjamas que j'ai à la maison. Mais là, il me reste... Allez, mais c'est une blague. Moi, je te dis pour le mois. Non, t'es trop méchante. Il me reste 500 balles. Et je finis le mois. Et ça, ben c'est tout, c'est bien. C'est pas assez, c'est mais assez, c'est assez. Il me reste l'électricité, j'ai pas payé. C'est, mais je trouve ça très méchant ce que tu mais as fait. Mais c'est pas le mot. J'ai commandé. Si vous savez comment elle nous a menacé dans le groupe. Elle nous a menacé. Oui, maintenant, si vous n'avez pas, vous venez pas. Mais non, t'as pas. Mais moi, j'ai pas 200 balles. Je sais pas, jamais. Et alors, quand tu vas faire des photos et tout, faut que tu sois dans le mood en fait. Du coup, j'avais commandé des. Tu vois les lunettes en cœur là. Trop beau. C'est n'importe quoi. C'est pas venu trop beau. Je te jure, mon Dieu. T'as gâché le mood en fait. C'est toi qui as gâché le mood. Moi, j'ai la décoration, je l'ai acheté à Dubaï là. Je vais décorer, je vais mettre ça chez moi. Ah oui, oui, tu l'avais pas utilisé du coup. Non, il est encore là. Je vais décorer la maison avec ça. Franchement, je suis déçue. C'est pas. Bon, on va aller voir, mais. Je me dis, après, je rouge encore. Tu n'as pas déposé plus de 20 euros. Mais c'est le jeu, même je Cynthia. Mais là, je suis en train de compter. Cynthia, elle est partie au foot, Cynthia là. Alors, elle. Elle a foot. Ah, mais c'est pas en fait. Tout le monde a. Qui a pas les pyjamas là, par contre deux. On arrive à Action. Kako, elle s'est mis en marron comme moi. Ah ouais, Kako, elle a mis ses lunettes parce que c'est un peu la star. Fallait qu'on fasse une maraude, hein. Je sais pas, pour partager, pour donner. Tu prends des petites assiettes? Ok, avalé mon appétit. Ça, regarde. Eh oh, je sais, moi, je vous. Salut! C'est la même chose? Ouais, je blogue. On va commencer quand? Mercredi. Du coup, là, Mira vous expliquer que c'est la soirée jeu et tout. Ouais, j'ai dit. Avec un franc thème.
ton timing n'était pas parfait ce matin. Elle a parlé de son challenge. C'est quoi les jeux qu'on va faire? Je vais pas claquer aussi. Elle nous mettait la. Tu nous mets l'impression que t'as même pas reçu le tien. Appelle-moi Chi, peut-être ma belle MDR. Alors t'es quand? Après elle, elle a pas reçu les Express. Mais pourquoi t'as fait ça? C'est t'as commandé quand? Elle met des sacs vers ça, elle paye pas la livraison. Elle avait pas honte. C'est pas moi qui a fait, hein. C'est une chic qui a fait. C'est quoi Cynthia? Elle a fait son pyjama? Ouais. T'as vu comment ils nous mettaient la pression? T'as même pas peut-être ton pyjama toi-même? Elle mettre la pression de je suis pas bien. Mais l'arroseur arrosé quoi. Je rêve. Chef d'équipe, c'est pas grave parce que vous habillez toutes les deux pareil, vous êtes chef d'équipe. Mais est-ce qu'ils ont des. Moi je joue pas moi, j'aime pas jouer, je suis mauvaise personne. Bah le chien il joue pas alors c'est l'arbitre. Bah non, elle est obligée de pas jouer parce qu'on est 15. Y a, comment ça s'appelle Elisa, elle a une béquille là. Bah, je crois qu'il y a deux. Attends, on va manger quoi? Parce que si, il y a besoin de converser, on mange des briques. La salade de fruits, elle va la faire dans quoi? Parce qu'il y a des petits bonnes là, sinon. La vue, c'est trop cher. Mais il y a pas assez de vue. Non, d'abord, devant lui, alors. Devant lui, elle va faire dans quoi la salade? Elle va dans la salade. Ça, c'est des chips, des bonbons, pour tu les mettre quelque part. Sur une assiette? Ah, ça mais dans la non mais dis-nous, on prend ça, c'est bon. Non, achète des vrais trucs aussi. Tu mets des trucs, tu peux garder pour toi ta vaisselle. Au lieu d'acheter 3 euros de carton, va acheter un vrai saladier où tu mets tes trucs. Non, mais c'est pour le salade de fruits, nous, on va manger dans quoi. C'est ça, je lui demander, elle fait dans quoi. Mais viens, on prend de la vraie vaisselle, s'il te plaît. Arrête de nous. Non, dis-nous, on n'est pas sûr. Bah moi j'accepte le carton. Kako, on n'a pas ton budget. Hein. Chacun... On est à Action, ça coûte rien. Juste tu prends un beau bol, ça va te coûter le même prix. Mais non, parce que là c'est pour se servir individuellement. Mais individuellement, on va pas se servir. Allez, je prends ça pour mettre les chips. Que moi, ma vie, que je vois, c'est posé. Vas-y, je vais te prêter le truc. Là, t'es abusé là. Kako, c'est les économies. Mais ça, c'est bon ça pour le pastel. Mais ouais, mais c'est pas, ça, c'est rien. Ça, tu présentes bien après, tu sais. Même pour la salade, tu mets bien la salade, tu mets bien la salade. Mais oui, moi pour ma salade, hein, donné, il faut un salade. T'as des saladiers pour la salade? Je sais pas, j'ai deux saladiers blancs, oui. Qui m'a fait? Non, ici, je peux pas filmer. À chaque fois, quand je rentre avec ma caméra, ouais, il me prend ma Auchan. Moi, je dois faire quoi de la salade? Elles vont manger de la vraie salade, vous inquiétez pas. Tu laves bien les... De quoi? Bah le maïs c'est tout en conserve. Oui. Pourquoi? Pour le jus je prends. C'est bon. Et pourquoi? Pour les jeux. Eh pardon. Bah oui, mais il y a les gobelets pleins. Oui, c'est le but. Arrêtez. Hein. Non mais c'est si on joue. Non mais c'est vrai, hein, si on joue. Il faut des gobelets pour boire, des gobelets pour boire. Ah, pas de manche. On va pas boire dans les mêmes. Hein. Hein? Ah pour les équipes. Ah pour les équipes. On va jouer les équipes. Tu vois, là-bas, si tu peux faire trois équipes. Ça, j'ai dit, faites deux, tu veux être trop pauvre. On joue vite. Mais oui. On peut les abîmer, genre là, on est limite. Hein. Non, on n'est pas des sauvages, on est que des filles. Moi, je te dis, prends un rouge, un bleu, après, tu prends que des gobelets pour boire. T'as envie. Non, prends les deux, il faut les deux. Prends 20 gobelets. Pourquoi les deux? Ça fait 40 gobelets là, Kako. Ouais, c'est bon. Mais de deux couleurs. Est-ce que tu vas voir les trucs au sol là? Les yeux bandés, après les trucs au sol, les gobelets. Non, mais prends des gobelets moins chers pour qu'on boive. Non, mais il faut qu'on boive. On peut boire dans ça. On va boire ça dans ça? Mais non, on va jouer avec. Mais attendez, vous jouez à quoi? On parle de quoi, elle a dit? Ça, c'est pour jouer. C'est pour jouer. Eh, vous jouez pour ça, Kako? Oui. Non? Déjà, moi, à ta place, j'aurais pris cela parce que c'est mieux. Pour jouer? Non, pour boire. Ah ouais, mais non, mais c'est cher. Mais c'est trop cher, les filles. Il y en a combien? Il y en a 10, c'est vrai, il y en a. Non, mais tu prends deux, on met nos noms dessus. Non, je pense que c'est bon. C'est bon? T'as pris deux. C'est-à-dire qu'il faut garder le même verre. M'en fous, moi. Mais c'est quand il y a le jus qui reste longtemps, après ça a ramollé. Hein. Même si c'est pas mon problème, c'est des prévus. En vrai, autant prendre ça, mais parce que là, je fais du radis. Là, mais bon, je suis radis. Bon, autant prendre ça. J'ai pas beaucoup travaillé sur la scie. C'est trop mieux qu'on arrive maladie. C'est goûté, ouais. Mais on prend ça et ça, tu mets. C'est ça? Ouais, c'est quand même 3,50€. C'est cher, hein? Vous croyez, c'est quoi? Là, c'est 2,50€. J'en ai 20. Exactement 15 minutes pour me préparer parce que ma belle, madame est en retard.
Donc je vais faire un maquillage vite fait alors que j'ai bien maquillé, mais ça va, au moins j'ai mes cils. Merci. It's not that I don't want you here. It's something about the way you stare too much. I know that I don't make things clear. I fall for you every time I try to resist. You can get away. I'm just beach fields and then every day. All I wanna hear is an episode that we play. Sit right next to you. Genou, tête, épaule, tête. C'est pour la perruque, quoi.
Genou. Tu te fous des épaules. Épaule. Attrapez. Vas-y, 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 vas
Salut. Franchement, eh, je vous prends, je vous dépose, je vous prends, je vous dépose, je vous prends, je vous dépose. On est actuellement mercredi. Il va être 7h du matin. Là, je vais à l'école. Putain, mais vous savez, j'oublie mon intro. Salut les filles, salut les garçons, salut les intros de carrément. Parce qu'aujourd'hui, je sais pas pourquoi, c'est l'intro, je regarde mes rêves et tout. Je me dis, mais pourquoi j'ai fait mon intro? Il se passe quoi? Je prépare rapidement. J'ai mis cette petite ensemble de chez PLT. Franchement, les ensembles, les filles de chez PLT, pépite. Legging et la petite veste comme ça là. Je vais rajouter à full PLT mon petit trench comme ça vert de chez PLT également. Voilà. Franchement, hier j'ai rangé mes cheveux. Je vais pas les laisser tout le temps. Je voulais mettre mes lentilles, mes galères. Donc je reste avec mes lunettes. Et puis voilà, on est bon. Je vais mettre ma montre. Meilleure brume. Vraiment celle-là. Ça sent vraiment l'amour. C'est bizarre de dire ça, mais si ça sent l'amour, l'amour ça sent bon, non? Et après, je vais vous mettre. Ah, je l'ai presque fini en plus. Le Lightly Bloom. Voilà. Et je pense qu'on est prête. AirPod and on y go. Enfin, j'aurais aimé bien laisser mes cheveux, mais franchement, je la flemme. Franchement. J'ai. La flemme. Bon, allez. On parle de ça, de tout ça. Qu'est-ce que je prépare pour son day? Bah, gros, ça va rien avoir. Parce que ça, ça aurait été parfait. Purée, j'en ai marre. J'ai soufflé. Qu'est-ce que je prépare pour son date? Moi, je me prépare parce que j'ai ma première presta avec mon alternance. Parce que vous me demandez souvent, mais est-ce que t'es en alternance? Oui, je suis en... Vous êtes pas droit, wesh. Oui, je suis en alternance, mais je fais l'alternance avec mon cousin. DJ Romy, celles et ceux qui connaissent pas, peut-être vous dormez dans une grotte. Et donc du coup il m'a pris la tendance. Et donc du coup je vais gérer ses réseaux, faire du contenu pour lui, etc. Donc là du coup on a la première presta. Enfin, oh, j'ai pété les plombs. Ok, tu as pété les plombs. J'ai la première presta avec lui aujourd'hui. Donc j'ai hâte de voir le background, voir comment ça se passe. Donc aujourd'hui il est vraiment dans l'observation. Je vais vlogger parce que de toute façon c'est ma famille. Donc c'est bien aussi de faire une attente avec sa famille parce que t'es à l'aise. Donc là, on va. La prestation d'aujourd'hui, c'est un mariage. Elle m'a dit faut que. Enfin, Kako, du coup, ma cousine qui gère aussi là-bas, m'a dit qu'il faut que je m'habille en noir simple. Sauf que je vais tellement pas m'habiller en noir simple parce que c'est le premier jour et c'est un mariage comme nous, c'est pas abusé. Vous allez dire, mais wesh, mais ré wesh. Mais non, je suis désolée, je peux pas. Je sais pas, il faut que. Quand même. Ouais. Je vais mettre le petit ensemble de chez PLT Label, la collection de chez PLT Label. Les filles, c'est une dinguerie. Donc c'est un pantalon tailleur comme ça, avec un petit top comme ceci. Et je vais mettre des baskets. Je vais pas mettre des talons. En tout cas, je pense que ça passe avec des baskets. Et voilà. Du coup là, je vais me maquiller un peu TSTV. Je vous reprends quand je suis déjà maquillée parce que c'est bon. Dans ce vlog, je crois qu'on est trois fois une partout. Je suis en train de me maquiller. Voilà quoi. Je suis prête. Du coup, la tenue, voici ce que ça donne. J'aime beaucoup. On m'avait demandé de base de m'habiller en noir, mais comme là, c'est le premier jour de presta, c'est juste pour observer, elle m'a dit que je pouvais m'habiller comme je voulais. Donc voilà, j'ai opté pour ça. Par contre, j'ai mis... Putain, vous voyez pas. J'ai mis des baskets parce que je peux pas mettre des talons parce qu'on va beaucoup bouger et moi, je tiens pas plus d'une heure avec des talons. Donc voilà. Le pantalon, j'aime beaucoup, mais il est un peu grand. Pourquoi je prends du 40 alors que j'ai grave, enfin j'ai pas grave maigri, mais j'ai perdu du poids. Hier je me suis pesée. Depuis que je suis rentrée à Abidjan, j'ai perdu 6 kilos. C'est une dinguerie. Mais bon bref, du coup voilà. Je vais mettre avec mon petit sac coach. La base. Puis voilà quoi, je me suis déjà parfumée et tout. Franchement, le carré ça fait vraiment femme mature. On va pas se mentir, le carré ça fait vraiment femme mature.
Après, est-ce que je vais supporter longtemps? Je sais pas. Mais voilà, du coup, là, j'attends Kako. Je vais prendre ma batterie. J'attends Kako. Et Janol, du coup, je vous l'ai présenté, etc. Vous allez voir. Kako, vous l'avez déjà vu. Mais Janol, non. C'est mon cousin, c'est le grand frère de Kako et de Plamidi. Bref. Du coup, voilà quoi. Bon, les gars. J'ai rejoint Kako. Donc, Kako, vous la connaissez. C'est Janol, vous connaissez pas trop. Didier Romy. Du coup, là, on va à la première presta qui se trouve dans le 7-7. Ah, qui se trouve dans le 9-1. Très, très loin de où on habite. On a environ une heure de route. Franchement, j'ai hâte de voir comment ça va se passer. De toute façon, vous allez voir les coulisses. J'ai hâte de voir comment ça va se passer. Et tout, et tout. No joke, on a fait 3 heures dans la voiture. 3 heures. Je suis en Belgique ou on est en France? Vous allez tellement pas m'entendre. Les gars, il est 5 heures du matin. Il est 5 heures du matin et on vient de terminer.